Allô, il faut une ambulance. Immeuble Royal Palm, 334 Westlake Sud. Appartement 308. Et faites vite. Il y a un mourant ici. Non, je vous jure que c'est vrai ce coup-ci. Merde, il est couché, là, par terre, les tripes à l'air. D'accord, ça urge. Allez, faut pas traîner ici, fichons le camp. Je vous dis que c'est un accident. Il voulait me tuer, ce fumier. Les dieux sont intervenus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas ma faute s'il est tombé sur son couteau, enfin. On n'appelle pas la police? Non, sinon votre découverte ira en tôle. Et la tôle, c'est pas le genre de bar que je préfère. Enfin. Donnez-moi le chèque. Je vais aller le toucher pour vous. Si c'est pour 75 dollars, je te suce le nœud à t'en faire gronder le cul comme un volcan. Ah, je reconnais toujours la classe chez une femme, j'avoue. Pédé. Bah, qu'est-ce que tu fous? Vos 500 dollars. C'est sympa, hein? Merci. Il y a tout plein d'anges dans le coin ces derniers temps. Par où, mon cher ange? Démarrez, je vous guiderai. Sale pute! Salope! Ton mec, c'est une pédale! Dans ton plumard, qu'est-ce que t'en feras? Qu'est-ce qui lui prend? Oh, agressivité mal dirigée. Cette fille ne me connaît même pas. Moi, je vous connais plutôt bien, au contraire. C'est vrai, ça? Vous avez été 12 fois en prison. Vous aimez Malheur et Mozart. Vous ne savez pas danser. Vous détestez le cinéma, mais vous aimez les mangues et Schopenhauer. Et il a bien travaillé, votre gamme, bravo. Quand j'ai lu vos nouvelles, j'ai voulu savoir. Elles m'ont bouleversée. Ça a éveillé ma curiosité, une grande curiosité. Vous avez vraiment une écriture. Pourquoi vivez-vous comme un clochard? Mais je suis un clochard. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous voulez que je chante les souffrances de la grande bourgeoisie? Connerie. Ça vous surprendra sans doute, mais elle souffre aussi. Oh. Doucement, petite. Personne ne souffre autant que les pauvres. Je m'inquiète un peu pour le mec qui a pris le coup de couteau. Il a dû lui rentrer dans le gras. C'est quand on le prend dans l'estomac, c'est moche. Connard! Peut-être qu'il s'aime. Pour vous, c'est de l'amour, ça? Moi, je dis que c'est de l'exhibitionnisme banal. Vous avez peut-être tout simplement envie d'embrasser cette fille. Ah, peut-être bien. Mais pas sur la place publique. Êtes-vous incapable de romantisme? Faire l'amour, c'est un peu comme quand on est sur les montagnes russes. Regardez-moi ces connards, je leur en foutrais des montagnes russes. Ce qu'il leur faut, c'est un avant-goût de la mort. C'est ça, le grand réveil. Mais arrête! Ça va pas, la tête! Qu'est-ce que vous faites? Tu vas avec tes conneries! Mais vous êtes fous, quoi! Ouais. Arrête, où tu vas? C'est complètement idiot. Enfantin, la pulsion naïve d'un trou du cul d'enfant gâté. Alors, vous avez engagé un bourg pour trouver un trou du cul. Prenez à gauche au portail noir et montez. Ah, Sésame, ouvre-toi. Qu'est-ce que vous voulez être quand vous serez grand? Tully, je ne veux surtout pas être quelque chose. C'est ça le but. Ça me rassure qu'il y en ait un. Ça, c'est une
pavillon pour les amis. Besoin d'un petit verre? Ouais, comme l'araignée d'une mouche.